Hey, bijou Libertin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour chasser du train sur Driver 2. Alors, let's go. Oh, le son. Il est bon, le son. Oh, Star Art. Oh. Oh, le train. C'est marqué quoi? Attendez. 2 secondes. 34 secondes, 33 secondes. Ah! C'est de la bite. Attendez, est-ce qu'on peut péter ça? Ok, j'ai perdu trop de temps. Parce qu'en fait, dès que tu te foires là, c'est fini. C'est la game, elle est morte. La game, elle est morte. T'as pas le temps. C'est limite à la seconde près. Alors, c'est pas autant la seconde près que le Driver 1. Parce que Driver 1, t'avais pas genre 30 secondes avant ou une minute un peu pour t'aider. Bon, je suis. Là, je suis Bonne Langue. J'ai un de mes hommes dans le coffre d'une voiture. Je suis Bonne Langue. Ta gueule. Je suis Bonne Langue parce qu'à la base, quand même, dans. On a eu quand même une chasse à l'homme où c'était vraiment timé comme de la merde. Hein. Mais bon. Et pourtant, l'idée de devoir chasser les 4 voitures dans la chasse à l'homme était vachement cool. Était vachement cool. Mais le temps te tuait tout. Mais c'est génial, hey, cette carte. Oh putain, comment elle se met sur le côté quand tu. Oh là là. Eh non, mais c'est des vrais trucs quand même. Je les adore pour ça. Je suis désolé, hein. Je savais qu'à quel point je suis quelqu'un de très poli. Mais. C'est des putes. Et j'aime ça. Moi j'aime bien quand un jeu est pute quand même. J'aime bien quand c'est des connards. Moi j'aime bien. Moi. Oh ah bon, c'est pas grave. Pour moi ça va pas m'arrêter. Ok, 24 secondes. Accélère! Accélère, Tanner! Pousse le beau champignon, Tanner! Pousse le bout du champignon. Bon, faut que je passe devant. C'est super tendu! Oh putain de merde! Fallait que je fasse quoi? Fallait que je fasse quoi? J'ai pas compris! Il m'a dit changer de voiture à un moment, j'ai pas compris! Tu veux dire quoi? Me charger dans la voiture plutôt ou. Dans la voiture, tu veux parler de la. Oh, oh la vache! Non mais. Attendez, est-ce que c'est possible? C'est pas fini, attendez! J'ai pas compris. Attendez. Safe state. Mais c'est bon! Mais je suis dedans! Bon, j'ai été percuté par un train! Mais je suis dedans! Mais c'est horrible! C'est. Mais c'est dégueulasse! Mais waouh! Là, ça va être dur en vrai de changer de voiture! Parce qu'il faut attendre que la voiture freine complètement avant de sortir de la voiture. Hein. On n'est pas sur GTA ou GTA 5 où le mec il peut s'éjecter dans la voiture en roulant. Non, ça marche pas comme ça! Hein. Le mec doit vraiment freiner. Alors là par contre, alors là, une belle safe state parce que j'ai vraiment pas foiré mes sauts, ma trajectoire. J'ai vraiment pas foiré ma trajectoire donc ça devrait être cool. Okay. Et encore, c'est quoi en fait? Je vais avoir une voiture beaucoup plus rapide. C'est hardcore en vrai. C'est bon. C'est ça se faire culbuter par un train? Ah bah je vais pas connaître ça. Après la voiture, c'est moi une voiture ça m'a suffi dans ma vie. Hein. Un train c'est en être une chose. Ah putain de merde. Elle était cool cette mission, elle était courte mais elle était vachement bien. Fait du bien quoi. Putain, c'est dommage qu'on a plus Jericho quoi. Elle était tellement classe quoi. Putain, chier. Ah, des tic-tac. Alors. Ah! Maintenant, une voiture piégée. Maintenant, c'est pas une voiture sous le train, non, c'est une voiture piégée. Mmh.
Vasquez manque pas d'air. Il m'a envoyé une voiture pleine de C4. On va le lui renvoyer en paquet cadeau. Ok. On va conduire une voiture blindée, ayant des explosifs à l'intérieur. Mais ce jeu, mais le 2, il est génial, hein. On a pour l'instant, hormis la mission avec les 4 bonhommes qui étaient vraiment à chier, là. Je sais, je répète beaucoup de ça, je sais, j'en suis conscient. Oh non. Oh non, non, pas l'alarme, s'il vous plaît. Ting, ting, ting. Excusez-moi, je deviens fou quand je pense ça. C'est 24 heures chrono. Il y avait un jeu aussi, 24 heures chrono. Que j'avais joué quand j'étais gamin, par contre. Sur PS2 aussi. Il y a tellement de jeux, putain. Il y a tellement de jeux qui me vient en tête, c'est ouf. Est-ce qu'on peut passer à travers ça? Oui, bien, il y a des trucs des sous-types quand même, hein. Mais plus que je pensais. Bonjour. Ouais, je sais, faut pas dépasser la ligne continue. Mais vous êtes pas obligé d'essayer de faire un homicide. Enfin, un homicide. Moi, je sais pas si c'est un homicide pour un flic. Bavure policière. Il y a une bombe à l'intérieur, bande de cons. Oh, la rotation de caméra. Oh là, c'est horrible. On va rester comme ça sur le diagonale, c'est mieux. Ok, on va continuer tout droit. Putain, le petit pot de merde de l'arbre m'a fait flipper. J'ai oublié de me le taper. J'aime bien parce que la carte... Alors, si vous voyez bien... Attendez, je m'excuse. Hein. Voilà. Ah, je suis désolé, je suis un peu enrhumé. Légèrement. Oh, c'est moins pire que l'été. Hein. Que l'été, quand vous êtes allergique, pollen, c'est encore pire. L'hiver, ça va. L'hiver, c'est rien. C'est petit. Voilà, on est en automne, hein, d'accord. Mais bon. D'ailleurs, vous êtes plus malade en été ou en hiver? Alors, moi, je suis plus malade en été. Je peux pas vous cacher, largement plus. Hein. C'est qu'il y a des 100%, 200%. Plus. Oh, il y a un ange de l'hiver qui s'est barré. Il y a un ange de l'hiver qui est. Et un joli verre, il m'a dit « Oh, j'en ai marre de mon propriétaire, je me casse, c'est bon, je vais vivre ma vie. » Il a fait comme la tarte du chaperon rouge, il s'est barré. Non, c'est le chaperon rouge, je sais plus. Non, il n'y a pas une histoire de conte pour gamin où c'est une tarte qui se balade. Ah, je sais plus c'est quoi, c'est... Je sais plus c'était quoi. Ou après, à la fin, elle est mangée par tout le monde et c'est triste. Je crois que c'est ça, et c'est une vision de la vie, en fait. Ce qui est horrible, d'ailleurs. Pour les gamins, c'est toi, quand tu le vois comme adulte, c'est horrible. Pour les gamins, ils voient pas vraiment, mais... quand tu revois, putain, c'est le coup de la tarte, le conte de fées de la tarte. Conte de fées. T'as bien compris. Conte pour enfants. On est tous passés par là. Je sais que vous avez des souvenirs de cette tarte. Comme le chaperon rouge, et quand elle se fait graille par le loup-garou. Et pas le chasseur qui va le sauver, hein. Ah, ça, c'est le duc Corée, ça. Moi, je veux la vraie version, moi. Ah, une mauvaise... Non, le ciel est trop fort, monsieur. Je vous le dis, ça rentre pas. Mais c'est vrai ce qu'on dit aussi. Plus c'est gros, plus ça passe, mais moi, ça me fait peur. L'arbre. Oui. Non, mais putain, mais pourquoi je me prends le... Ah, ça, c'est les dommages collatéraux, hein. Ah, les dommages collatéraux, ça pardonne pas. Hein. Ça va que le ting-ting, il est pas trop présent dans ma tête. Contrairement à l'alarme du pétrolier dans Tomb Raider 2. Excusez-moi. Il sera toujours ici, tu vois. Il y sera toujours. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Il est ancré en moi. Il a pris possession de mon âme. Quoi, on va faire péter Las Vegas, c'est ça? C'est quoi cet endroit de merde? J'adore. C'est un endroit de merde, mais j'adore. Cours, Francis! 4, 3, 2, 1. Je suis pas assez loin. On a fait péter l'entrée.
Nani. Qu'est-ce que c'était que cette merde? Heureusement j'ai fait une CFT juste avant, mais... Qu'est-ce que c'était que cette merde? Pourquoi ça m'a pas compté comme si j'avais réussi? J'étais pas assez loin, c'est ça? Faut que je m'écarte beaucoup plus. Ah, c'est là, le petit passeport. Oh, mais faut le voir. Oh la vache, mais t'as pas le temps, hein. Ouh. Bien joué, le casino de Vasquez, sérieusement, on doit marcher. Yeah. Putain, on l'enchaîne, c'est trop bien. Oh putain, qu'est-ce que je prends plaisir. C'est fou. C'est... Ah. Attendez, je réponds à un abonné. Un abonné me... Voilà. Petit like, petit cœur. Ouais, en pleine vidéo. Voilà. C'est mon cher et tendre Monsieur Filsman. Dédicace à toi. Il s'en reconnaîtra. Oh putain. Oh oui. Une voiture. On les enchaîne l'émission. Je pense que cet épisode vous allez bien plaisir. Vous allez vous faire plaisir. Bonjour mesdames. Bon, je les ai vus, hein, mais... Bon, ça va être chiant. Regardez, la suspension. Mais je suis désolé. Le travail de la suspension dans le jeu... J'ai oublié de faire un save state en plus, alors je suis obligé de recommencer comme ça. Retaper le temps de chargement, ça va être génial. Bon, après, c'est pas le vrai temps de chargement, comme à la Tomb Raider 2, où vous revoyez carrément le screen avec la barre de chargement. Mais bon. Dès qu'on est dans la voiture, save state, hein. Hop, comme ça. Tac. Ça gagne du temps, hein. Imaginez-vous, à l'époque, vous n'avez pas de safe state, hein, donc vous recommencez à chaque fois, vous devez repasser le petit cinématique de départ à chaque fois. Ça... À l'époque, il y avait des moments où vous deviez bien en chier, quand même. Et pourtant, le jeu est vachement bien, quoi. Qu'est-ce qu'il est bien. Là, pour l'instant, le 2, largement mieux que le premier. Hein. Ah, mais clairement. Clairement, pour l'instant, je comprends pourquoi le 2 était l'un de... Peut-être, de, je crois, le mieux marqué. C'était celui qui a été le mieux marché de tous les drivers. Quoique Driver San Francisco il se défend bien. Je dis ça, mais Driver San Francisco. Putain, j'aimerais qu'il soit sur Steam d'ailleurs, ce putain de jeu. Ah, je suis désolé, mais. Driver San Francisco était un des jeux que j'ai joué pendant pendant que j'avais, je crois, je devais avoir 17-18 ans. Ah, mais j'avais kiffé le jeu, quoi. J'avais kiffé le jeu. Il était génial. Pourquoi j'étais peut-être déjà majeur quand il est sorti, je sais pas, de San Francisco. Je sais pas. Ça date. Et le pire c'est que moi je commence à me rendre compte, je commence à avoir, vous savez, dans un peu plus de 2 ans, j'ai quand même 30 ans. Et je me dis, putain, plus tu vieillis, plus le temps passe vite. Et c'est incroyable. Alors qu'au début, quand tu faisais les cours et tout ça, ça passait pas le temps. J'ai mal optimisé le trou. Ça me ressemble pas. C'est moi le roi libertin ici. On peut pas rater un trou. C'est inadmissible, quel qu'il soit. Bon, bien sûr, j'ai mes limites, hein. Les narines, ça compte pas. Oh. Monsieur. Messieurs. Mesdames. Mesdemoiselles, excusez-moi. Le pire. C'est mes petits poulets. Je les élève au petit matin. Chaque matin, 6h du matin, je leur donne leurs petites graines. C'est bizarre dit comme ça. Oh, c'est trop bizarre dit comme ça. Oh, je suis désolé. Oh putain. Oh, je suis désolé. Oh, c'était tellement bizarre. C'est mes petites poulettes à 6h du matin, je leur donne leur petite graine. Oh non, c'est horrible. Et en plus, si tu la mets en version québécoise, c'est encore pire. Ah, vous savez, la petite poulette, elle veut leur petite graine, hein. Après, elle veut la petite grosse. Oh, je suis vraiment le pire. Je suis vraiment le pire. Je vous laisse apprécier cette cinématique. Ah oui, fais goûter du canon. Mon cœur. Le chauffeur est blessé, les flics l'ont pris. Appelle Kane, il doit nous sortir de là. Fais-le, maintenant.
maintenant. Oh, putain de merde. Ah. À la base, on est des flics, hein. Mais on est de nouveau infiltrés, donc dans le gang. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah, ah c'est génial. Ah, quoique, je sais pas si c'est... Voici, c'est un... Je sais plus si c'est un gang ou quoi que ce soit, je sais rien. En fait, on doit démanteler les gangs, en fait. Il y en a un de Vasquez et l'autre de Morpheus, là. Je vais l'appeler Morpheus, hein. En vrai, Jericho il est tellement est stylé. Sur un os, et son chauffeur est blessé. Sors l'autre là, avant que les renforts ne tombent dessus. Ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Bah, vous savez quoi? Après un épisode assez... assez jouissif, on vous souhaite une agréable journée, de bonne soirée, bisous Texana sur Driver 2, et tchou.